par rapport à la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, les responsables du centre Ibn Abbas pour les sciences islamiques ont tenu une rencontre à Baccara avec quelques leaders musulmans. Une rencontre pour donner des orientations par rapport à cette commémoration. Varelaj. Les fidèles musulmans se préparent activement pour commémorer dans les jours prochains l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Ils se sont réunis à Baccara dans le 7e arrondissement pour une journée d'échange et d'information sur des activités inscrites au programme. Il s'agit de la lecture, de la prédication et de la mémorisation du Saint-Coran, une initiative du centre Ibn Abbas pour les sciences islamiques. Dans son intervention, le secrétaire général du dit centre, Cheikh Ahmad Mamad Saleh, exhorte les fidèles à une forte participation dans les différents lieux des cultes. Le président du centre Ibn Abbas pour les sciences islamiques, Cheikh Saleh Mamad Ramadan, pour sa part, a demandé aux fidèles de cultiver la paix, la tolérance, la bonne cohabitation, comme le recommande l'islam. Créé en 1994, le centre a pour mission de former les fidèles sur les sciences islamiques et de les sensibiliser contre les mauvaises pratiques qui ternissent l'image de la religion musulmane. Sur ce, nous mettons un point final à cette édition. Bonne suite de programme.